Eh ben salut la VOD. Donc deuxième partie de live sur Gimp, sur donc la bannière que je vais créer pour ma chaîne. Juste deux petites précisions. Donc vous avez vu la rediffusion n'est pas encore en ligne. Donc là on va faire cette deuxième partie sans la rediffusion de la première au préalable. Tout simplement parce que j'ai pas. Enfin, il me reste juste la dernière partie à compiler. Même à réécouter en fait parce que je sais pas s'il y a eu des ratés de son, des trucs comme ça. Donc voilà, donc il me reste juste la dernière partie, le dernier tiers du live à monter pour régler les problèmes audio, ces trucs-là. Cependant, vous avez vu, il y a une nouvelle, enfin une nouvelle série, pas une nouvelle série, mais la suite de Bleach Brave Souls avec l'arc secondaire Muramasa qui est en train de sortir. Donc il est tourné entièrement celui-là, et je vous aurai l'épisode 3 de Muramasa là tout de suite après le live. Après le live, je mettrai en public la troisième partie, il me semble que c'est la troisième partie, ou la quatrième, je sais plus, de Muramasa, enfin l'épisode suivant de Bleach War Souls, Muramasa. Donc la rébellion des impactos. Voilà, donc ça c'était pour ce qui allait. Voilà, ce qui se passerait. Et la rediffusion du live, ça sera absolument quand j'ai le temps, parce que là, ça. C'est très compliqué pour moi en ce moment. Donc voilà. Donc on en était. Donc on avait intégré ce personnage de César 3. J'avais galéré à le découper. J'ai pas eu le temps. J'avais prévu, c'était de m'avancer un petit peu en sélectionnant les images hors caméra, mais là j'ai vraiment pas eu le temps, donc on va continuer sur la même lancée que le dernier coup, c'est-à-dire on va aller chercher donc les éléments suivants, les mettre dans l'image, et après on replacera tout de façon, je sais pas, à peut-être raconter une pseudo-histoire, quelque chose. Donc il nous reste, vu après César 3, zut, bien sûr j'ai une analyse. Non, 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 arrête-moi ça. Arrête-moi ça, j'ai une analyse qui se lance bien au mauvais moment. Donc il nous reste après César 3. Arrête-moi ça. Merci. Tu me feras ça ce soir. Donc il nous reste après César 3, évidemment, comme ça en plus ça rappelle des souvenirs de la chaîne. Alpha Centauri. Voilà, l'ancêtre de civilisation, hein, bien sûr. Watch Dogs, le 1. Voilà, je parlerai pas du 2. N'est-ce pas? Baldur's Gate. Ah, Baldur's Gate, évidemment. C'est. Voilà. Alors tiens, justement, vous l'entendrez certainement dans les épisodes de Muramasa. Je reparlerai de toute façon dans le prochain. Enfin, lorsque SQ-Ocean sortira sur Bleach Brave Souls. Bleach Brave Souls va être ma série la plus longue de ma chaîne. On a atteint les 40, ouais, les 41 épisodes d'une heure. La seule, apparemment, le seul, pour le moment, comment, la seule saison, enfin, les deux seules suites de vidéos qui sont plus longues que ça, c'est du Bleach avec, comment c'est, Dire Wolf. D'ailleurs, Wolf, 48 épisodes d'une heure, donc voilà, à 48 heures de vidéo. Et Watch Dogs, il me semble qu'on est à 46 vidéos d'une heure. Donc voilà, 46 heures de vidéo. Donc voilà, pour vous situer les plus grosses séries de ma chaîne, c'est ça. Et Bleach Brave Souls n'est encore que le troisième, mais va passer premier dès que Execution sortira. Dès que Execution sortira, on dépassera les 50 épisodes. Et ça deviendra la plus grosse série de ma chaîne. Donc voilà. Donc je disais Baldur's Gate, Spore, évidemment. Spore Aventure Galactique a été créé par Maxis, les mêmes qu'ont créé les Sims. Postal 2, sur lequel on s'est tapé bien des barres, que malheureusement j'ai pas pu terminer à cause de bugs. Prison Architect, vous avez eu des lives sur la version 2.0 il y a peu de temps. D'ailleurs, les rediffusions sont disponibles. Shield of Light. Ah, Shield of Light, encore un jeu Ubisoft, mais celui-là était absolument magnifique, très poétique. Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir cette série. Honnêtement, elle est waouh, quoi. Les musiques, la patte artistique, tout est bon dans le jeu. Le système de combat est également excellent.
Rien à dire sur ce jeu, simplement parce qu'il n'y a pas de voiture dedans aussi. Hein. Ubisoft. Ensuite, bah, les deux dernières séries que j'ai faites, hein, le San Andreas, hein, la version remasterisée, et je viens d'en parler, Bleach Brave Souls. Voilà. Alpha Centauri, Watch Dogs, Baldur's Gate, Sport Portal 2, Prison Architect, Shield of Light, San Andreas et Bleach. Voilà les éléments qui nous restent à intégrer à notre image. Donc la liste, bon, elle va rester là. Et donc on est parti, donc il me faut Alpha Centauri. Donc de Sid Meier's. Sid Meier's Alpha Centauri. Ouais, apparemment faut que je tape. Oui, parce que... Ok, d'accord. Je tape sur... Enfin, en tapant Centauri, évidemment, je tombe sur un... Sur un... comment dire? Une chaîne célèbre. Attendez, Sid Meier's Alpha Centauri. Voilà. Bon, Centauri 21, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Un truc immobilier là. Voilà. Sid Meier's Alpha Centauri. Image. Sur DuckDuckGo. Ok, donc j'ai des images du jeu. C'est quoi ça? Alien Crossfire. Ça a l'air d'être un autre jeu qui est sorti apparemment avec Alpha Centauri, mais je l'ai jamais vu. Alien Crossfire. C'est quoi? C'est une extension? Ok. Apparemment, il y a un truc qui s'appelle. Je m'enseignerai. Apparemment, il y a un truc qui s'appelle Crossfire. Alien Crossfire. Donc, ok. Ah oui, on pourrait mettre à ce que je cherche. On a le logo, mais le logo, voilà, c'est en toutes lettres. On va peut-être mettre bah, la... Voilà. On va peut-être mettre elle. Ah, lui, le docteur Zakharov. Enfin, le professeur Zakharov. Attendez, donc, toc-toc. Voilà. On prend l'image. Ouais, mais ça, je crois qu'il va pas l'accepter. Non, il l'accepte pas. Il faut que je fasse copier l'image. Je peux me mettre en arrière-plan. Attendez, excusez-moi. Voilà. Et là, que je fasse CTRL-V. Et là. Donc, faire un nouveau calque. Ouais, elle est très petite l'image en fait. Attendez, si je la redimensionne. Ah, ça va, ça n'est pas trop pixelisé. Si je zoome. Non, ça va, c'est honnête. On va essayer de détourer ça. On va essayer de détourer le fond. Oula. Ok, ça va être compliqué. Ouais, visiblement ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de détourer ça. Très compliqué parce que le docteur le professeur Zakharov a les cheveux gris et le fond est gris. Ce qui est ennuyeux. Je réfléchis comment je peux le détourer autrement. Alors déjà je le détourerai à mon avis je le détourerai au plus gros déjà. On va repartir là-dessus donc. Attendez. Juste en même temps, ce que je vais faire, c'est remettre le tableau de bord. Voilà. Au cas où j'ai des commentaires. Bon, pour le moment, je vais détourer au plus gros et puis on fignolera la gomme, peut-être, je sais pas. Hop.
J'aime bien détourer au cercle, hein. Enfin, je vous avais expliqué lors du dernier live, je détourne beaucoup au cercle. Ça me permet vraiment d'être précis, de sélectionner des zones vraiment précises. On va dire là. Ok, et là. Alors c'est bizarre parce que on est d'accord que le professeur Zakharov, enfin ils en parlent, enfin dans le jeu ils en parlent au masculin et à comment et à une voix très masculine dans le jeu, mais on est d'accord que il a quand même le visage très féminin, hein, très, je sais pas comment dire. Mais bon, j'ai pris ce personnage-là parce que c'est celui avec lequel j'ai joué, hein, dans la série. C'est voilà, c'est le personnage qui se rapproche le plus de mon idéologie, hein, la soif de connaissance, si on peut dire. Surtout, voilà, l'évolution de l'humanité par la connaissance. Voilà. C'est l'idéologie du professeur Zakharov. Et cette idéologie me convient très bien. En même temps, le mec qui me dit que son idéologie préférée dans Alpha Centauri, c'est comment la ruche, là, Yang. Faut qu'il se faire soigner, quoi. Ou alors il est nord-coréen, enfin je sais pas. Pardon, excusez-moi. Mais c'est vrai, quoi. Enfin, c'est ça, hein, le président Yang, c'est Kim Jong-un, hein. C'est totalement lui, hein. Bon, les gens détournent ça, bing, allez. Ouais, on arrive à quelque chose déjà d'un peu plus correct, j'ai envie de dire. Hop, on va partir sur des arrondissements. Sur quelque chose dans le genre. Donne quoi ça? Ouais. Bon, ici, c'est très mal détouré. Alors là, j'arrive pas à voir s'il y a des cheveux par-dessus de son implant ou pas. Apparemment, il n'y en a pas. Là, on dirait quand même que c'est l'implant ici, hein, donc non, hein, c'est pas détouré ça. Enfin, mais en même temps, ça, quand on s'éloigne, on a l'impression que ça fait partie du fond. Ben, c'est très étrange. Enfin, hop, on va zoomer là-dessus. Et on va détourer à la gomme. Ouais, alors évidemment, contrôle maj. Ah, pour tout désectionner. On va prendre une gomme un peu plus agressive. Pas la gomme la plus agressive, mais un peu plus. Pas trop trop mal là. Ouais, on est plutôt bien là. Hop, je vais juste me servir de cette gomme là pour. Voilà, assouplir les angles un peu violents. Alors attendez, excusez-moi, j'ai XSplit qui est mal positionné. D'accord, ok. Si tu veux, mets-toi comme ça m'arrange. Voilà. Ici. Voilà. Ici, on va essayer juste d'assouplir vraiment un tout petit peu. De toute façon, là,
Voilà, à lisser en fait, à lisser les pics là. C'est vraiment ça, c'est lisser les pics pour vraiment donner. Enfin, vu que c'est des tourets en vrai, en gros, voilà, je donne l'impression que je refais un détourage en fait. Est-ce que ça? Juste un petit peu son épaule là, voilà. Tout est affaire de détails, hein. Clairement. Ici, c'est encore un petit peu trop. Voilà. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Bah, hé. Plutôt bien détouré, ça. J'aime beaucoup. Je suis assez content du détourage là. Alors, le truc c'est comment je l'intégrais. Pour le moment. Pour le moment, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. J'ai pas renommé mes calques. Hein. Ouais, alors attendez. Je vais me marquer juste Alpha. On sait que c'est Alpha Centauri. Ici, c'est quoi? Bah, je l'ai pas marqué. Lol. Et ici, c'était Boson X. Bah, il me semble avoir noté ça. Enfin, c'est bizarre. Et ça, c'est Antichamber. Planté sur poisson X entrée. Voilà. Je vais déjà enregistrer. Voilà. Le projet. Alors, j'enregistre juste le projet, hein, pas l'image. Et donc, je voulais. Et ça. Évidemment, il a bougé. Donc, ça, c'est. César 3. Ok, donc bing, voilà. Si je le passe, voilà, si je passe Zakharov juste. Eh. Genre, il est juste derrière le soldat. Vous voyez? Comme ça. Enfin, je bouge Antichamber, évidemment, mais. Voilà. Mais vous voyez, il juste. Le torse sort de derrière le soldat. Vous voyez, c'est ça qui est génial avec les calques. On peut vraiment s'éclater à tout. Vraiment faire ce qu'on veut. Voilà. Bon, pour le moment, plutôt satisfait du truc pour le moment, mais je voudrais que ce soit un peu plus agglutiné. On verra bien comment on se démerde avec les logos, notamment de la Japan Expo et d'Antichamber. Quoi, pour Antichamber, en fait, je mettrais bien plutôt un des guns. Alors, je verrai, je modifierais peut-être Antichamber pour trouver un des guns. Comme ça, faut vraiment que ce soit la référence pour trouver. Enfin, bref, on va passer à l'image suivante. Watch Dogs 1. Alors là, je voudrais Hayden Pierce. Là, c'est décidé. Je veux Hayden Pierce. Pears, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien comme ça que ça s'écrit. Oh, il a la classe. Il a la classe. Oh oui, oh, cette pose est super dynamique, je la veux. Ouais, je veux celle-là. Oh merde, elle est super floue. Oh non, elle est dégueulasse. Oh, elle était belle de loin. C'est con. Bon, sinon il y a une autre version là, mais faut la détourer.
Elle donne. Ouais. Ah, ça va être emmerdant ça. Oh, ça se verra pas. Je crois que ça se verra pas. Ou alors on utilisera un outil de barbouillage pour le cacher. Vraiment sur un petit pixel. Ok, on va prendre celle-là. Ah, attendez. Eh non, l'image est copyrightée, je peux pas l'utiliser. Fais chier. Oh, il y a un fan art là, il est génial. Oh, celle-là où il est dans une position un petit peu à la Devil May Cry, j'aime bien. Avec son flingue. Il manquerait plus que l'épée et Aiden Pierce, c'est ça, c'est Dante dans Devil May Cry, quoi. Totalement ça. Bon, bah non, il y a celle-là, ouais. Non, celle-là, il a la casquette coupée, ça va pas. Ça va pas, sa casquette est coupée, ça va être dégueulasse sur mon image. Bon, écoutez, je pars sur mon idée de départ, en espérant que la résolution, j'arriverai à la résoudre. Copier l'image. Oups, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Alors, attendez, hop, arrière-plan, contrôle V, voilà. Oula, ah ouais, non, il... Comment ça se fait qu'il est aussi petit? D'accord, et par contre, oh, alors c'est génial, par contre, il est déjà en PNG. Enfin, oui, l'image est déjà en PNG. Mais comment ça se fait qu'elle est aussi image? C'est marqué 800 pixels sur le descriptif. Soixante sur 850. C'est pas ça. Ben... Là, on n'a pas la même idée du. Bon, attendez, je vais l'agrandir, mais là, clairement, si. Alors, attendez, hop, clic droit. Oh, c'est pas vrai, attendez, hop, sortez. Faire nouveau calque. Je vais le redimensionner. Hop. On va y mettre du 600 pixels. Ouais, non, il est flou. C'est dommage, là il a la classe là, Hayden. Clairement, mais non. Trop flou, je sais pas, il est... Dommage, il est déjà détouré, j'aurais qu'à le laisser tel quel. C'est vraiment dommage. Mais non. Non, non, non. Oh, c'est pas vrai, j'ai à nouveau les menus qui déconnent. Supprimer le calque. Bon, à la recherche d'Aiden Pierce. Là, il tire une gueule, mais pas possible, c'est bizarre. C'est chelou. Là, je crois que je vais pas réussir à le détourer. Alors, le problème aussi, parce que j'ai des images du jeu hein, également. Mais. Comment dire? Le jeu est très sombre. Et Hayden a lui-même des vêtements sombres. Alors, ça va être difficile à détourer à certains moments. Si je dois détourer le personnage, ça va être
Ça va être bof quoi. Si je... Non, pas celle-là, celle-là. Si j'affiche celle-là, est-ce que son... Ouais, sa casquette est coupée, ça va pas ça. La casquette est coupée en haut. Après, je vois le doc, c'était une belle histoire. Enfin, le 1 était, c'était une belle histoire. Elle un peu déçue par le 2. Non, pas celle-là. Allez, une belle image d'Aiden Pierce là. Ouais, écoutez, sinon j'ai celle-là. Attendez, je regarde juste la qualité. Ouais, j'ai celle-là, mais le problème c'est que c'est marqué, il y a du copyright dessus. Donc, copier l'image, je vous la montre juste. Mais en plus, c'est la même pose. Enfin, c'est la même pose que l'image précédente. Mais avec les lignes en moins. Donc, vers nouveau calque. Voilà. Non, je galère à des toits à la manche, je crois. J'essaie de détourer ça. Ah non, ça peut le faire. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est ça. C'est marqué clairement dessus, hein. Qu'est-ce que je fais? J'ignore ou je prends le risque? Je le détourne et c'est tout, hein. Toi, il est dans la même pose que l'image que j'ai trouvée et qui a pas l'air copyrightée. Alors c'est bizarre. Là, ce qui est copyrighté, j'ai l'impression que c'est surtout le fond, enfin, c'est surtout ces trucs-là. Mince, pourquoi j'ai fait ça, moi? Non, on va pas prendre le risque de prendre une image copyrightée. Supprimer le calque. Ouais, alors par contre, hop, voilà, annuler la sélection. Le jeu, il est en HD et tu trouves des images sur internet de Hayden Pierce, mais il est dégueulasse quoi. Dégueulasse. Il est dégueulasse. Fuck it. Ouais. Celle-là et celle-là, elle va, je vais pas galérer à la détourer. Vous allez voir. Regardez bien. Alors attendez, je dézoome. Je rezoome et voilà, normalement. Ping. Hop, CTRL V. En plus, les dimensions sont plus que correctes. Attendez, je vais vous le mettre en premier plan. Voilà. Et cette image-là. Et là, les contrastes entre les vêtements de Haydn et le fond. Sont largement suffisants pour que Gimp puisse gérer. On va faire ça. Juste, je vais mettre mon espace de travail ici en haut. On le redimensionnera au besoin. Mais... Voilà. Alors, non, au niveau de la main. Au niveau de la main, ça collait pas, mais voilà, hop.
vraiment que je le fasse partie par partie. Facile. Nickel. Nickel. Il est détouré en 2 secondes. Honnêtement, génial. Alors, contrôle mage A. Après, pour le placer, je sais pas trop. Alors, il est trop grand. C'est clair, il est trop grand. Il y a beaucoup d'éléments d'ailleurs qui sont beaucoup trop grands, hein, mais je redimensionnerai vraiment au besoin, quoi. Je veux pas m'amuser à mini, à, comment dire, à minifier puis à réagrandir après. Ça va pixeliser, ça va être dégueulasse. Donc pour le moment, je laisse en commun, en original. Regardez, si par exemple je le mets. Genre, attendez, si je le mets. Voilà, faudrait décaler des choses. Mais si je le mets genre comme ça à côté de Zakharov. Comme ça, côté de Zakharov. Et je le fais passer pareil sous ces R3. Hop, voilà. Oh, génial. Et Zakharov, ouais. Et donc le col de. Voilà. Aiden est entre. Zakharov et le personnage des R3. Et là, c'est la classe un petit peu ce secteur-là, là. Enfin, je sais pas, vous voyez, ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je sais pas vous. Bon, clairement, les proportions sont pas très bonnes, mais vous voyez l'idée, juste l'idée. J'aime beaucoup. Donc, Biden, c'est fait. Hein. Et oh, donc ça c'était Wild Dogs. Baldur's Gates. Ah, alors Baldur's Gates, le problème c'est que voilà, le jeu datant de 98, je suis sûr que je vais pas tomber sur des belles images. Ah, peut-être que si on tombe sur une image utilisée dans une cinématique. Wow, ok, les mecs ils ont fait des maps et tout, enfin c'est ouf. Ce jeu est ouf. Baldur's Gate. Autant j'ai ragé dessus, autant. Autant je me suis éclaté quand même, quoi. On n'en fait plus des RPG comme ça. Enfin, il y a des RPG qui sont quand même mieux que ça, mais je veux dire, c'est vraiment le RPG papier mis au format numérique, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est ça qui est beau. Et puis la BO. La BO du jeu, quoi. Plus je crois qu'elle est pas copyrightée sur la BO de Baldur's Gates. Parce que je l'ai déjà entendu. Bah notamment chez le joueur du grenier. En fond. La musique est juste géniale. Et oui, de toute façon, j'ai pas été striké pour. Donc voilà. Alors, attendez. Simplement. Bah, attendez, simplement. Est-ce que je peux pas avoir le personnage que j'incarnais? Ah, la vignette, en fait, la miniature. Parce que les miniatures sont toutes les mêmes. C'est qui ça? Ah, c'est Imoen, ouais. Ouais, je peux mettre la photo d'Imoen, simplement. Attendez. Oh, mon Dieu! Il y a une femme qui a pris une photo d'elle. C'est une vraie femme, mais en cosplay d'Imoen. C'est ouf! Elle lui ressemble, mais vraiment, quoi.
Jaira. Ah, il y a Jaira. Alors, sachant que selon le personnage que l'on prend au départ, les images peuvent switcher. C'est quoi ça? C'est quoi Baldur's Gate Reloaded? Apparemment, il y a un truc qui s'appelle Baldur's Gate Reloaded et c'est en 3D. C'est un RPG en 3D. Non. Non. Tu déconnes. Putain, attendez, si ça existe vraiment. Attendez, je vérifie. Alors, c'est cool parce qu'en plus, comme ça, on peut faire des. On peut tomber sur des trucs. Alors, Baldur Gate. Baldur. Mince. Pas Galdur Gate. Baldur Gate. D'ailleurs, c'est Baldur's Gate. Baldur's Gate, le dit là. Sur jeuxvideopc.com. Purée, ouais. C'est Baldur's Gate en 3D. Mais oui. Mais mille fois oui. Mille fois oui pour ce jeu. Il est vraiment sorti ou c'est un troll? Attendez. Là, je suis sur une. Attendez. Véritable jeu. Est un gigantesque mode. Ah non, ok. Alors apparemment, c'est un mode. C'est un mode qui s'intègre à un jeu qui s'appelle Neverwinter Night, le 2. Winter Never Night 2. C'est un mode qui propose de revivre l'aventure de Baldur's Gate dans ce jeu qui apparemment est en 3D. L'auteur est même allé jusqu'à réutiliser les voix et les portraits originaux des personnages. C'est un truc de malade. Je connais pas du tout Neverwinter Night, mais. Wow! Wow! Juste wow! Bon, enfin bref. On va prendre Imoen. Ah oui, mais non. Prendre Imoen. Ouais. Non, ça va pas le faire. En fait, ça va pas le faire parce que son portrait est coupé. Ah là là, j'ai la musique qui me vient. Original, ça. C'est ouf. Il y a des mecs apparemment qui se sont pris un petit peu dans. D'accord. Ok. Il y a le personnage que j'ai là, que j'avais pris. Il y a une parodie de lui, un petit peu en Solid Snake. C'est assez étrange. C'est très chelou. C'est même extrêmement chelou. Non.
Écoutez, sinon, ce que je vais faire, ouais, ce que je vais faire, ça va être plus rapide. Regardez, je vais aller sur ma chaîne YouTube. Hop. Je vais lancer l'épisode 1 de Baldur's Gate et faire un screen plein écran de. Alors, ma chaîne, playlist. Baldur's Gate. Un nouveau manuel, un président architecte. Non, il n'est pas dans les premiers. Ah, il commence à dater un petit peu Baldur's quand même. Allez. Dire Wolf. Là, Baldur's Gate. Alors, attendez, je vais juste couper le son. Voilà. Comme ça, je ne serai pas sur le record en VOD. Il me propose de regarder mon propre direct. Ouais, c'est marrant, mec. Sinon, attendez. Sinon. Ah oui, là je peux l'avoir en gros plan. Attendez. Là je peux l'avoir en gros plan. Top, c'est bon, je l'ai. Je me mets en plein écran. Hop. Hop, juste j'attends que le message de. Voilà. Hop, impression système. Ah, je suis pas en HD, je suis pas en HD. Je suis pas en HD. Je suis en 360p, c'est dégueulasse, attendez. 1080p. On va juste se mettre une petite seconde avant. Top. Voilà. J'ai pas eu des drops, non. Impression système. Alors. Bon, je vais le mettre là, mais on va le. Hop, on va retailler l'image. Hein. Ctrl V. Voilà. Donc c'est cette partie-là qu'il nous faut. Hop. Clic droit vers nouveau calque. Donc toute cette partie-là. S'en cogne. Attendez, on va dézoomer à fond. Hop, sélection, je suppose que là aussi. Ouais, non, à mon avis. Ouais, on doutait, ici, c'est pas du tout rasé. Ok. Calque. Découpage automatique du calque. Voilà. Sélections automatiques. Ok. Tiens, c'est bizarre, il y a un gros noir là. Enfin, une grosse bande noire en dessous de mon screen. Ça, c'est bizarre. Alors, attendez. Je quitte le. Hop. La vidéo plein écran. Et je reviens sur le tableau de bord. Alors. On va zoomer là-dessus. Il a la classe. Il a la classe. C'est bien lui que j'avais pris hein, pour. Oui, c'est lui que j'avais pris pour mon aventure de Baldur's Gate. Je vais pour le moment prendre très large. Enfin, très large. Je vais laisser une toute petite bordure. Je vais détourer proprement à la loupe. Ok. Oh, j'adore ce perso. Non, c'est pas ce que je voulais. Calque. Yeah. Découpage automatique. Voilà. Pareil, on va le bouger en haut. On va travailler un peu dessus. Voilà. On va zoomer. Et ben voilà. Et là, on peut bosser un peu dessus. Alors, est-ce que je détourne le fond? Ouais, je détourne le fond. Alors, déjà, baguette magique.
Quoique le cadre il est droit, je vais pas m'emmerder avec ça. Hop, je vais vraiment détourer beaucoup plus propre que ça. Attendez. Ok. Ici. Et là. Voilà. Bing. Voilà, comme ça j'ai viré le cadre vraiment de façon très précise. Et on va détourer autour de notre personnage. Détourer là, on va agrandir un petit peu. Non, là c'est trop, je prends son col avec. Ah, il y a un bout de son col, ça me va pas. Mmh. Ok, bon, je vais juste virer. Ouais. Je vais aller sélectionner de l'autre côté. J'y vais progressivement, voilà, couleur par couleur. Non, là c'est trop. J'ai pris les cheveux avec. Voilà, ici par exemple. Ouais. Ici par exemple, ça ne me convient pas parce qu'il y a une partie de son col qui a encore été sélectionnée. Je vais le désélectionner à la. Je vais le sélectionner comme ça. Hop. Voilà. Et ici, pareil. Il y a juste quelques pixels que je veux garder. Et déjà, on va supprimer ça. Ah, il n'y a pas de canal alpha? Si, il y a un canal alpha, c'est juste que. Ok. Quel con! Ok, donc déjà pour le moment ça va. Alors, juste, faut juste que je vois là où sont là où s'arrêtent les cheveux en fait. Parce que là, vraiment, les cheveux vont se fondre avec le décor après, dans tout en haut. On voit pas bien la fin en fait entre. Mais quel idiot! Prendre ça. Et parfois je me plante entre contrôle et majuscule, c'est pour ça que. Alors attendez, ses cheveux vraiment s'arrêtent ici. C'est vraiment chiant parce que. Attendez. Hop, on va zoomer un petit peu plus en haut. Attendez, je vais juste détourer un peu mieux l'oreille là. Voilà.
là, on va zoomer juste un peu plus sur sa coiffure et j'espère y voir un peu plus clair. Ok, alors. Alors attendez, j'ai envie de détourer à la gomme en fait ce que je vois. Donc là, tout ça. Voilà, tout ça, ça fait partie de sa chevelure. Tout ça aussi. Ok. On voit. Oh merde! J'ai glissé, chef. Pourquoi ça s'efface pas? D'accord, ok. Ok. Là. Clairement, là, c'en est plus. Non, ça va être chiant. Ça va être chiant d'étourer là. Non, mais c'est complètement travers, ça va pas. Ça va pas, c'est complètement travers. Ça s'arrête ici. Voilà. Et ici, logiquement, ça doit s'arrêter là. Ok. Donc là, il me reste plus. Donc, je vais le faire au cercle. Donc, ses cheveux s'arrêtent ici. Hop. Ici, voilà, hop, et il me reste plus qu'à arrondir les angles. Non, ça va pas. Ça va pas, ça. C'est naze comme coupe de cheveux ça. Ah, c'est chiant en fait, sa chevelure va dans l'obscurité et on voit pas bien la différence entre la fin de sa chevelure et l'obscurité derrière. C'est chiant. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je change d'idée. Je change d'idée. J'arriverai pas à détourer correctement. Il n'y a pas assez de contraste entre la fin de sa chevelure et le fond. Hop. Alors. Mais je peux prendre un autre personnage, certainement. Y a Xan, ouais. Sinon, je vais reprendre le logo, mais c'est un peu bête, quoi. Le logo de Baldur's Gate. Comment il s'appelle le méchant dans... Comment il s'appelle notre adversaire?
Je sais plus le nom. Sinon, je prends le logo de Baldur's Gate, hein, c'est pas compliqué. Hein. Mais bon, c'est triste quoi. C'est triste parce que enfin, il y a beaucoup plus que ça quoi. Mais en même temps, c'est vrai que le jeu est tellement vieux qu'évidemment. Oh, bon. Écoutez, si j'ai même plus à me faire chier, et je trouve des PNJ déjà des tourelles. Lol, éclate-toi, tiens, regarde, hop, clic droit, hop, contrôle V. Voilà. Il est déjà des tourelles, il est très bien, il est très beau. Allez, adjugé vendu. Baldur's, n'importe quoi. C'est Baldur's. Voilà. Bon, ben, je vais le causer là pour le moment avec les autres logos. Bien voir comment on s'organise avec ce truc. Alors, suivant dans la liste. On va s'approcher de la fin là. Sport aventure galactique. Ah bah non, alors ça je sais ce que je veux. C'est bon, ça je sais ce que je veux. Je vais aller sur ma chaîne YouTube et reprendre un Licornus machin. Alors je sais pas quel épisode c'est, donc mais vraiment la forme, voilà, finale en gros de que j'avais créé de mon personnage. Le Licornus Erectus, je sais plus comment, Bectus, un truc comme ça. C'est un truc de. Ben voilà, c'était le délire parce que il se tenait debout, il avait une corne de licorne et enfin qui me faisait penser à une licorne, mais un peu bizarre. Et il avait un bec. Donc voilà, c'était du gros délire ce jeu, clairement. Clairement, je m'étais tapé des barres là-dessus. Alors, playlist. Non, pourquoi je suis dans mon gestionnaire de vidéo? C'est pas là que je voulais, mais bon, ça fait rien. Postal, sport. Sport, aventure galactique. Alors, déjà, c'est pas dans les premiers épisodes, parce qu'on avait donc notre personnage. Ah, d'accord, ok. Et épisode 10, on était déjà en orbite. Allez, non. Donc épisode 10, certainement. Ouais, c'est là la fin de notre civilisation, enfin de avant qu'on arrive à l'étape galactique. Non, donc c'est avant ça, c'est. C'est quand on est passé en tribu, hein. Non, c'est pas épisode 9, apparemment on est déjà. Ah, ça me file le doute là. On est en quoi là? Non, on est. Ok. Épisode 7 alors. Ah, ça avait été très vite pour aller jusqu'à l'étape galactique. Ah oui, ok, épisode 7, c'est là où j'avais eu des problèmes de coupure bizarre.